part celui de Juliette, comme j'avais dit, on rencontre des gens. Guy Bilodeau, c'est un gars que je connais, qui est passionné, vraiment très passionné, puis il est au courant de beaucoup de choses. Puis comme bien du monde, il est très, très... comment on pourrait dire? Admettons que je suis une personne qui est politisée. Je suis quelqu'un qui s'informe et qui se renseigne par lui-même. Donc, je vais chercher à la source les sujets qui m'intéressent. Puis il y a des points importants que tu m'as parlé et que tu veux parler au monde. Pourquoi Citoyen au pouvoir, c'est quoi exactement? C'est une belle machine, c'est quelque chose. Moi, je suis au courant, mais c'est parce que lui, il a une façon de le voir et de me l'apporter que je trouve ça intéressant. Fait qu'on va le laisser parler plus que moi. Ben c'est ça. En fait, j'ai fait des petites recherches sur trois points importants que le parti nous présente. Là. Le parti, il y a une dizaine de points d'ancrage, peut-être même un petit peu plus. Moi, j'en ai relevé trois. À un moment donné, on pourrait faire une autre capsule ou est-ce qu'on en mettrait d'autres. Il n'y a pas de gêne. Mais je suis allé chercher ceux que je trouvais les plus importants. Donc, on va parler, là maintenant, on va parler de la transparence démocratique. C'est quoi ça, la transparence démocratique? Puis, est-ce que ça existe quelque part? Comment ça marche? En faisant mes recherches, moi, ce que j'ai trouvé que c'était le plus appliqué, c'était en Suède. C'est quelque chose qui existe depuis 1766 en Suède, mais récemment, avec les développements de l'Internet, puis ils ont mis ça sur Internet, c'est beaucoup plus accessible, puis c'est très peu coûteux pour la population. C'est un système qui fait que c'est même possible d'aller voir les relevés d'impôts de vos élus, des fonctionnaires, de vérifier leurs dépenses dans leur travail. Ça veut dire, dans le fond, tu vois à peu près où ils mettent leur argent, puis rapidement, tu peux réussir à dire qu'il y a un problème, puis d'en parler, si ouais. Je comprends bien. Oui, c'est okay. Ça. C'est ça. On pourrait vite résoudre des problèmes, comme ici, on avait eu Mme Lise Thibault, qui était lieutenant-gouverneur. Je me souviens plus pendant combien d'années qu'elle a fait ça, ces dépenses faramineuses qu'elle a faites, mais ça aurait pu être découvert en quelques mois. Okay. Il suffit d'un citoyen qui allait voir ça, puis tu dis, oh, la madame, c'est parce qu'elle mange dans des restaurants chers, comme presque à tous les jours. Peu importe c'était quoi l'histoire. Tu sais, ça pourrait éviter beaucoup de problèmes. Ben, on peut comprendre qu'il mange des restaurants, mais quand tu es rendu que ça coûte au-dessus de 200$, 100$, on sait comment ça coûte aller au restaurant, mais c'est pas donné, mais ça n'a pas d'allure. Mais là, ça n'a comme pas de bon sens, parce que c'est l'argent public qui est mis à sa disposition. Qu'elle dépense comme ça, cette personne-là. Puis ça, on parle de Mme Thibault, parce que ça a passé beaucoup dans les médias, mais c'est vraiment pas la seule. Ouais, non, puis il doit en avoir des bien pires que ça. Mais moi, qu'est-ce que je vois là-dedans aussi, la transparence démocratique, c'est que ça permettrait aussi d'avoir les chiffres d'affaires, de rendre disponibles aux citoyens les chiffres d'affaires des entreprises d'État, comme Hydro-Québec, la SAC, qu'est-ce qu'on a aussi, l'Auto-Québec. Ça serait intéressant. Moi, comme citoyen, je ne suis pas au courant d'où ça va l'argent. On sait qu'ils font des milliards de dollars. Je ne suis pas au courant vraiment où ça va, ça. Comment est-ce que ça me profite à moi? Parce que c'est une société d'État. Puis c'est important, qu'il faut le savoir. Parce que, justement, on se répète peut-être, mais c'est quand même le fait qu'à un moment donné, en le voyant, on peut réussir à faire des balises. Puis des balises, en tout cas, des contrôles, dire, bon, ben ça n'a pas d'allure, on va essayer de régler ça. Puis rapidement, surtout. Oui, c'est ça. Comme quand on voit un gouffre financier chez Hydro-Québec, il y en a qu'on est au courant, là, comme les éoliennes. C'est véritablement un gouffre financier. Mais est-ce que la population a eu accès aux chiffres qui avaient été prévus avant que ça se fasse, ça, cette affaire-là? On n'a aucune idée, hein? On ne le savait pas. On le sait un coup que c'est fait. Puis on le sait aussi un coup qu'ils ont une raison de nous dire « Ah, ben là, ben, on veut savoir pourquoi on se fait augmenter Hydro-Québec. Ben là, c'est parce qu'on perd beaucoup d'argent avec les éoliennes françaises qu'on a installées. » Là, c'est pour ça qu'ils nous l'ont dit. Mais j'aime beaucoup ça. Moi, là, pour moi, c'est un des points les plus importants là, qui est apporté par le... La transparence, dans le fond. Oui, la transparence démocratique ou transparence de l'État. Et l'affaire que j'aime bien, c'est quand on fait les recherches, c'est facile à voir. Il n'y a pas un seul parti qui est capable de réussir à être transparent de même. Il n'y en a pas un. Non, puis je pense pas qu'il y en a aucun qui a vraiment intérêt à l'être, puis ils veulent pas. Ils veulent pas le like. Ils veulent pas avoir à rendre des comptes au peuple. Pourtant, c'est nous autres qui les mettent au pouvoir, puis on leur fait confiance pour diriger notre province. Ah, ils vont nous mettre la poudre aux yeux. Ils ont commencé à travailler, ils diront, on voudrait savoir quand ils voyagent, comment ça coûte. Mais il y a tout le temps quelque chose qu'ils diront pas, ou ils vont minimiser tout le temps. C'est ça. Ça, ben, c'est très bien appliqué ensuite. Ça permet des choses, là, ça l'empêche, par exemple,
un ministre qui va donner des emplois fictifs à des membres de sa famille puis qui va les rémunérer avec la transparence démocratique, ça ne peut pas se faire. Ça éviterait des gros problèmes de corruption, dans le fond. Beaucoup. Moi, je pense que c'est le meilleur outil pour empêcher la corruption. Okay. C'est la transparence démocratique. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat en Suède? Eux, c'est sûr, c'est dans leur culture, là, comme on a vu, c'est depuis les années 1700 qu'ils font ça. Ça a donné aujourd'hui qu'ils ont des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Ces gens-là vont travailler à vélo. Ils mangent dans des cafétérias lors du dîner. Puis quand ils ont affaire à voyager, ils vont voyager en classe économique. C'est ça que ça donne. Est-ce qu'on en a, nous, des politiciens qui sont responsables comme ça? Eux, c'est parce qu'ils savent que les gens peuvent vérifier ce qu'ils font, mais ils sont aussi responsabilisés. C'est comme ça que je le vois. Bien, la morale de cette histoire-là, c'est pas nécessairement qu'avec nos distances au Québec, on se doute bien qu'ils n'iront pas en vélo, mais c'est parce que, veut dire, c'est, à un moment donné, il va-tu y aller en taxi? Ben non, il va, tu sais. Oui, tu sais, si la personne travaille à Montréal, il y a des transports en commun, je veux dire. C'est de trouver les moyens plus économiques. Oui, bien, que d'avoir des chauffeurs privés, tu sais. Par exemple, ici, c'est ça qu'on voit, là, c'est des limousines, des chauffeurs privés, c'est pas nécessairement une limousine. Chauffeurs privés, repas dans les restaurants dispendieux. Combien de fois qu'on a vu des scandales qu'il y avait l'alcool coulé à flot dans ces soirées-là, tu sais. Payé par les citoyens. Tout le temps. Donc, en gros, c'est moi, c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet-là. La transparence politique, tu as quelque chose à ajouter ou une question? Bien, tout de suite, on va revenir, c'est certain. C'est un sujet important, mais tout de suite, on va mettre les liens. J'ai plusieurs liens là-dessus, là, quand j'ai fait ma recherche. On va mettre les liens attachés à la vidéo. Oui, c'est bien, bien important pour essayer de... Parce que comme c'est très, très important, une des choses que les citoyens au pouvoir, on essaie de prôner, c'est que les gens soient au courant. Transparence, puis des liens pour expliquer. Ça ne vient pas de n'importe où. Là, ce qu'on veut, c'est responsabiliser les citoyens. C'est-à-dire que les gens s'intéressent à la politique, qui veulent participer. Parce que ça va être obligé avec les citoyens au pouvoir, si jamais ils gagnent les élections, ça va être tout le monde va avoir un devoir de participer à la politique, ce que je pense qui est très sain. Puis, faites par vous autres même vos recherches, là, quand vous voyez des sujets. Au lieu de dire, par exemple, que la démocratie directe ou la transparence démocratique, c'est utopique, que ça ne pourrait jamais être appliqué au Québec, bien faites vos recherches, vous allez voir que ça existe dans d'autres pays. Et c'est important parce que, Quand le monde va avoir compris comment ça fonctionne, la démocratie directe et puis le citoyen au pouvoir, c'est garanti. Parce que le député, il c'est plus le centre d'attraction, là. C'est plus le chef non plus. C'est, dans le fond, c'est une façon de fonctionner un peu comme Guy vient d'expliquer. Puis ouais. Il y en a d'autres sujets. C'est vraiment un représentant de ses citoyens. Oui, c'est un représentant. Ils vont tous dire ça, mais c'est faux, là. Le seul qui est vraiment un représentant, c'est vraiment un citoyen au pouvoir, là, parce que... Ça dit citoyen au pouvoir, c'est des citoyens au pouvoir, puis tout le monde est appelé à participer. Puis répétez-vous souvent, aux 4 ans, il y en a qui vont faire une petite coche, puis il faut plus que ça fasse, faut que ça arrête. Ça. C'est pour ça indirectement, on encourage la corruption. On peut pas les laisser les fonctionnaires, puis les politiciens, faut tout le temps... C'est parce qu'on délègue tout, on n'est plus au courant de rien. Puis on n'a pas de transparence démocratique comme on vient de parler, fait qu'il se passe à peu près n'importe quoi. Fait que on va revenir avec d'autres sujets.